Ça va? Ça va, vas-y. Bah ouais, ça va. Ouais, ça va. Bon, bah c'est cool. Merci d'être venu. Hein. Bah non, de rien, c'est normal. Ah, quand même. Tu viens d'arriver, là, en fait Non, je suis réveillé une demi-heure. Oui, non, mais qu'est-ce que je veux dire, t'aurais pas vu Céline par hasard, toi? Ici, là? Ouais, non, parce qu'en fait, j'avais laissé un message. Voilà. Pour lui demander de venir me chercher. Ça m'aurait fait plaisir, quoi, mais bon. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'elle a pas eu le message en même temps. Ça. Ah ouais, peut-être, ouais. Il est quelle heure, là? Là, il est, je sais pas, il est 13h30. Ouais, 13h30. Bah non, parce que j'avais dit que je sortais à 13h, du coup, peut-être que... Moi, ouais, peut-être que c'est pas la peine d'attendre. T'arrives à quelle heure, toi? Moi, je t'ai dit, je suis arrivé vers 13h, quoi. Oui, bah toi, non, tu l'aurais vu, hein, en fait. Si t'étais venu, tu l'aurais vu, je pense. Bah, peut-être que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que... On attend 5 minutes, comme ça. Ouais. Voilà, et puis ça te dérange pas, ou pas? Non, pas du tout, ça. Ouais. De toute façon, je lui ai donné ton numéro de portable, peut-être qu'elle va appeler. Ok. Toi, t'as plus de téléphone, toi? Non, je donnais mon téléphone à l'infirmière, c'est comme la moindre des choses, tu sais. D'accord. Ah, y a Arthur qui est rentré du Maroc. Ah ouais? Ouais, je l'ai au téléphone tout à l'heure. Eh, ça, il allait bien? Ouais, c'est marrant, il m'a raconté que, tu sais, dans la rue au Maroc, les hommes, ils se tiennent par la main. Ah ouais? Mais pas parce qu'ils sont ensemble, toi. Parce qu'ils sont, je sais pas, parce qu'ils sont amis. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli. Ils se tiennent par le petit doigt, comme ça. Ah, c'est drôle. C'est marrant, hein? Comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi on fait pas comme ça, nous. Tiens, vas-y, donne-moi ton petit doigt. C'est bizarre, quand même, non? C'est bizarre, ouais. C'est un peu bizarre. Non, mais je passais juste pour vous remercier d'avoir appelé les pompiers, quoi. Il n'y a aucun problème, personne qui sait rien et... Il n'y a aucun souci. Parce que... Non, bien sûr que ça, non. Ça m'embête un peu, en fait, par rapport au... Non, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça reste entre nous. Bah, vous êtes à toi. Là. Avec plaisir pour toi. Quand tu as besoin, tu peux passer, pas de problème. Bah... Je fais tout, qu'est-ce que je peux pour toi. Bah non, mais je sais, quoi. Merci. Bon. Je sais pas, je peux vous faire... Non, parce que... On y va? Ouais. Attends. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es vraiment des gens gentils. Hein. Tu sens rien, hein? Pas grand chose. Ouais. Tu veux essayer? Je pense. C'est marrant parce que je crois que je suis venu ici avec Céline avant qu'on parte en Italie. Ah. Ouais, je reviens. Pourquoi tu es venu avec Vincent? Parce qu'il sort de l'hôpital et que j'avais pas le laissé tout seul. Et nous, on se parle. Arrête avec ça! Faut t'arrêter. Après, on va se séparer. On va être triste après si on se sépare. T'aimes pas quand je te dis on se parle quoi? Non, j'aime pas ça. Alors arrête de le dire. Prends ma main et embrasse-la. Et j'ai peur que ce soit bourré de sortie. Parce qu'il y a deux sorties à l'hôpital. Oui, parce qu'il y a une sortie de derrière, là. Toi, t'es arrivé par où, toi? Prends-moi dans ta bras. Non, parce que ça c'est mon cœur, hein, t'inquiète pas, parce que... Attends. Parce que c'était vraiment très 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 dur à l'hôpital, là, je... J'ai vu des gens très très seuls, là, moi, vraiment, à qui personne ne pense, hein. Je veux dire que quand tu vois autant de solitude, bah... Je vais te dire que ça te fait sortir de la tienne, hein. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi on était mal avec Céline. Et j'arrête pas de penser à elle, hein. C'est bizarre, hein. À chaque fois que je lis un livre... Mais c'est elle ou l'idée d'elle. Parce que tout le monde aime quelqu'un, mais
Ça doit être plus que ça, plus que seulement du manque. Être avec quelqu'un, c'est vraiment vivre avec lui. Quoi? Hein? Être heureux, c'est pas honteux. Je vous dérange pas, hein? Non, 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 tu, attends, tu déranges pas, hein. Elle est vraiment très bien. Elle est bien quand t'es pas là, parce que quand t'es là, elle est chiante, hein. Putain, pour me casser, moi, tu vois. Le problème, c'est que quand je suis tout seul, je suis bien pendant un mois, quoi. Après, c'est le début de la fin. Mais appelle-la, laisse pas partir comme ça. Faut arrêter, arrête de jouer là comme ça. Faut pas faire semblant de se quitter, sinon ça arrive pour de vrai. Mais on fait pas semblant de se quitter, là. C'est quoi? Non, rien, c'est... J'ai un peu mal à la tête. Je l'appelle, hein. Tu sais, Céline? Non, non, j'appelle Marie. Céline? Non, non, j'appelle Marie. Tu sais, en 96, là, qui passe devant la pyramide du Louvre, là. Ouais. J'étais dans le bus, là, il y avait une dame avec une petite fille. Alors, tiens, la petite fille, elle va avoir même pas 3 ou 4 ans, quoi. On passe devant la pyramide, elle dit, c'est quoi ce truc-là? La mère, elle lui dit, ça, c'est une honte, quoi. Ça, c'est un truc qu'on a construit, là, bien après le palais du roi, tu vois, c'est à l'époque de Mitterrand, c'est vraiment un scandale. Enfin, c'est quand même taré, quand même. Tu vois ce que je veux dire, moi? Ouais, ouais. C'est quand même fou, je veux dire. La petite fille, elle a même pas eu le temps de savoir si elle l'aimait ou pas, puis la mère lui dit, non, 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 c'est de la merde, ça. Ça, c'est un scandale, ça. Ça, la pyramide, on n'aime pas ça, quoi. Je veux dire, un enfant, c'est comme de la glaise. Si je trouverais ça bien que tu retournes voir ton psychanalyste maintenant. J'ai 30 ans, lui. Bah alors, c'est très bien, 30 ans. Je me démerdais pas avec toi. Non, arrête, j'en peux plus. Arrête, j'en peux plus. Arrête avec ce truc, putain, arrête. Je dis pas avec toi. Ça va. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire, Louis? T'as pas des appels en absence, par hasard? Non, je crois pas, Vincent. Tu as pas vu Monica de Bergman? Tu vois? Moi, je sais pas pourquoi Bergman, il explique un truc et ensuite on l'écoute pas. Je déteste ça. L'homme, la femme, le gosse, la poussette, ça me fout un... J'ai envie de me tuer, tu comprends ou pas? Tu vois, de temps en temps, je regarde les maisons les unes après les autres. Je pense les gens qui sont maintenant dans les maisons, dans quelques années seulement, dans pas si longtemps, ils seront tous disparus. Et d'autres gens seront là, dans les maisons, dans les rues. Et si on essaye de revenir 100 ans en arrière, c'était les gens tout à fait différents qui étaient là. Mais la ville est là. Les maisons sont là. Pourquoi elle est triste, là? C'est pas des trucs d'adultes. Non, mais c'est ça, là. On est des enfants, quoi. Je veux dire, on en a rien à foutre qu'elle soit belle ou pas. Non? Dans la pyramide, on en a rien à foutre qu'elle soit belle. Je veux dire, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de laisser une trace. Je veux dire, au moins, là, avec cette pyramide, on laisse une trace, je veux dire. T'as pas des appels en absence, là, par exemple? Non, je crois pas. Ça commence à m'inquiéter, là, qu'elle appelle pas. Ça passe pas, ton mal de tête, là? Non.
Non, mais je veux dire, par exemple, les Chinois, je veux dire, eux, bah oui, ils vont de l'avant, leur quartier se construit, se déconstruit. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe pour eux, quoi. Ouais. Nous, là, je veux dire, en France, la seule chose qu'on nous demande ici, c'est de préserver le patrimoine, et puis c'est tout. Là, je veux dire, l'architecte qui a construit la pyramide, bah, il est Chinois, hein. C'est Céline. Ce qui disait que la France n'avait pas bougé depuis 1940. Bon, au début, j'y croyais pas, mais maintenant j'y crois. C'est vrai, on est les inventeurs de la théorie des races. Gobineau, c'est nous. Faut apprendre à savoir dangereux pour faire moins de mal. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone? Elle veut plus me voir. Pourquoi? Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle a dit ça, là? Elle vient de dire ça? Je suis seul, hein. J'ai plus de force, je vais pas lutter. Et puis elle est libre. Appelle Marie, toi. Attends. Qu'est-ce que tu fais, Vincent? T'es fou! Mais t'es fou! Louis, mais non! Non, Louis, laisse-moi, j'ai fait une expérience. Laisse-moi, Vincent! Il se passe rien! Ni en France, ni dans son camp! Il se passe rien! Tu te calmes! Stop! Tu te calmes. Va, allez. Tu te calmes. J'ai envie de gerber, là. Quoi? J'ai envie de gerber. C'est vrai? J'ai envie de gerber, là. Attends. J'ai envie de gerber. Quoi? Attends. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux même pas comprendre ce que c'est, OK? Je suis pas quelqu'un de bien, moi. J'ai pas dit ça. Je suis pas quelqu'un de bien. Tu te calmes. Je suis pas quelqu'un de bien, c'est ça? Tu te calmes. Non, vas-y, tu me regardes comme ça, mais vas-y. Mais t'as vu ta gueule? T'as vu ta gueule quand tu me... Mais t'es déprimant. T'es déprimant. Je suis pas un Playmobil, putain. Y'a pas des gens que t'aimes? Là, y'a ta mère. Y'a moi. Tu vois, t'en as plein, des amis. Tu vois, ça va aller très bien. Elle a pleuré, un jour c'est bizarre à pleurer, quoi. Je vais vraiment très longtemps, quoi. Tous les jours, ça a duré, quoi. Et puis du coup, je me rappelle très bien, il y a un jour où j'ai dit, bon, ok, allez, salut, quoi. Enfin, je l'ai laissé. C'est le jour où t'as quitté ta mère? C'est le jour où j'ai quitté ma mère. Et maintenant, tu la vois plus? Que ça, non. Tu vas plus jamais. Toi, tu l'as. J'aurais pu beaucoup ma mère non plus. C'était pour ça qu'on est un peu fou, quoi, en fait. Est-ce qu'on voit plus sa mère? Peut-être. Quelle grosse connasse, celle-là, je te jure. Je te dis pas qu'il a rien fait de mal, mais quand même, tellement égoïste. Faut pas rire. Quoi? Je vais rester dormir avec lui, je crois. Je me mets dans le canapé, dans le salon. Tu veux rester avec moi? Non. Je rentrerai. Tu veux rentrer à la maison? Ouais. Tu es fatigant. Et tu es tendre. Je suis quoi? Tendre. Ça te sauvera pas toujours. Moi, je t'aime. Je suis ta
ta mère, ta sœur. La suite, tu la connais. J'ai une mauvaise pensée, là. Dis-moi. Comme je me dis que je l'aime bien, maintenant qu'il est tout seul, on va se voir plus souvent, lui et moi. C'est une très mauvaise pensée. C'est pas une pensée triste.